Bientôt, Duan Wujie, le festival des bateaux dragons, soit l'un des événements les plus attendus de l'année. Mais du fait de la pandémie de Covid-19, de nombreux comtés et villes ont décidé d'annuler ou de reporter ces compétitions sur l'eau. La ville de Tainan, cependant, a décidé de maintenir les courses de ces magnifiques bateaux dans le respect des traditions, mais tout en prenant en compte le risque d'épidémie. Le gouvernement a tout de même prévu des mesures pour réduire les risques de propagation du Covid-19. L'événement habituellement de 5 jours ne se déroulera que sur 3 jours à Tainan. Il n'y a plus environ que 70 équipes contre 165 l'an dernier. Autre levée progressive des restrictions, le gouvernement du comté de Jiayi a décidé que les enseignants et les étudiants ne seraient plus tenus de porter des masques. Si les élèves sont heureux de ne plus être obligés de porter des masques en extérieur avec les fortes chaleurs, des mesures de distanciation sociale et le port du masque dans les classes sont toujours appliquées par précaution. Encore un peu de patience et la société pourra peut-être revenir à la normale.